Bienvenue au Showcase Ingram et à cette session sur l'offre Cisco Sécurité. Je suis Marc Guéroux, je suis en charge d'animer le réseau de partenaires chez Cisco. Donc, ma mission est d'accompagner les partenaires sur la connaissance du portfolio sécurité Cisco. Et bien sûr, accessoirement, de développer les ventes avec nos partenaires, puisque vous le savez, Cisco ne fait absolument pas de vente directe. Donc, nous allons passer une demi-heure ensemble. On a choisi un sujet, je dirais, qui est particulièrement d'actualité autour des solutions dites de remote worker, donc pour adresser les problématiques liées au travail distant et notamment au télétravail, puisque vous vivez, j'imagine, comme nous, puisqu'on ne peut pas se rencontrer aujourd'hui physiquement sur ce showcase. On le fait en virtuel. La situation dans laquelle on est aujourd'hui nous amène à travailler à distance, et forcément, qui dit travail à distance, dit forcément de nouveaux enjeux en termes de sécurité. Alors, si on regarde d'une manière un petit peu plus large et qu'on ne fait pas trop un focus sur le Covid, sur l'environnement dans lequel on évolue, alors ça fait déjà quelques années, bien sûr, que l'on observe ces changements de comportement et de mobilité. Alors, juste pour vous donner un petit panorama un petit peu général, on estime à peu près 50 milliards d'objets connectés sur la planète. Donc, d'ici 2020, on est déjà en 2020, donc forcément, ce chiffre va uniquement croître dans les années à venir. On est forcément dans une situation renforcée avec cette crise sanitaire et cette crise du Covid, dans une situation d'ultra-mobilité. Aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs, tel que je peux l'être aujourd'hui chez Cisco, c'est pas parce qu'on est à distance qu'on peut pas accéder à nos informations. Je dirais même plus, lorsqu'on est à distance, on veut pouvoir accéder à nos informations, accéder à nos CRM, accéder à nos applications, à nos data, quel que soit l'endroit de la planète sur lequel on peut se situer. Donc, en termes de challenge, forcément, qui dit nombre d'objets connectés, dit forcément une surface d'attaque pour les hackers qui est très très importante. Plus on connecte d'objets, plus potentiellement on peut être victime d'une attaque. Et puis, pour les entreprises, le challenge, c'est que lorsque mes utilisateurs sont en dehors du réseau de l'entreprise, j'ai pas forcément toujours de la visibilité sur ce qu'ils font et surtout de la manière dont je peux gérer les outils avec lesquels ils se connectent. Si on prend la partie infrastructure, la manière dont on consomme l'IT aujourd'hui a complètement changé par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Aujourd'hui, les infrastructures sont virtualisées, les applications sont dans le cloud. Donc, ça emmène encore une fois de nouveaux challenges, puisque lorsqu'on est à la maison, lorsqu'on est en situation de télétravailleur ou même de situation de mobilité, je me déplace demain à Lyon, je dois pouvoir, enfin, j'ai accès du moins à mes applications cloud directement, sans forcément repasser par l'infrastructure de l'entreprise. Encore une fois, de nouveaux challenges pour les clients. Et puis, l'actualité nous donne raison. On a encore vu quelques exemples au cours de ces dernières semaines. Les attaques sont de plus en plus nombreuses et puis sont surtout de plus en plus complexes. Donc c'est une vraie course pour les éditeurs tels que nous sommes pour aujourd'hui proposer des solutions qui soient les plus efficaces possibles pour répondre aux nouveaux enjeux que les clients peuvent voir aujourd'hui. Alors, quels sont ces défis que les entreprises auxquels sont confrontés. Quelle que soit la taille de l'entreprise aujourd'hui, que vos clients soient des petites, des moyennes ou des grandes entreprises, finalement, ils sont confrontés au même challenge. D'une part, c'est comment garantir, lorsque mes utilisateurs sont à distance, que c'est bien le bon utilisateur qui va venir se connecter à mon application, que ce soit une application métier, que ce soit une application financière, que ce soit un CRM, etc. Je dois vérifier l'intégrité des utilisateurs qui vont se connecter à mon application, qui est souvent dans le cloud. Et puis, comment je peux garantir un accès sécurisé à ces applications. À partir du moment où mon utilisateur est connecté sur sa box à la maison avec soit son ordinateur professionnel ou soit éventuellement son device personnel, comment je m'assure que cette personne puisse avoir un accès sécurisé à son application? Le troisième point, c'est comment je me prémunis des différentes attaques que l'on peut voir aujourd'hui sur Internet. Donc, comment je vais pouvoir me défendre au niveau de ces différentes menaces. Et puis surtout, un point qui est extrêmement important, une fois qu'on est en dehors du réseau de l'entreprise, les entreprises veulent avoir de la visibilité sur les équipements qui vont se connecter
en dehors du réseau. C'est un point qui est extrêmement important et on verra dans la présentation quels sont les outils que l'on peut vous proposer pour répondre à ce genre de challenge. Et puis, ce que l'on voit surtout, c'est aussi la notion de budget. La sécurité a souvent été considérée un petit peu comme un must-have. C'est un petit peu comme les assurances, hein. Tant qu'on n'est pas attaqué, on ne se sent pas trop concerné. Tant qu'on n'est pas, on n'a pas de problème, on a tendance à considérer que ça va, c'est uniquement chez les autres. Il y a des études qui disent qu'à peu près 89% des entreprises seront victimes d'une attaque dite avancée. Alors, une attaque avancée, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire une attaque avec potentiellement un arrêt de production ou un arrêt du système d'information qui amène l'entreprise, bah, à subir des pertes financières plus ou moins importantes. Et dans la série mobilité, bah, on a un point qui est excessivement important, c'est à partir du moment où vous avez un collaborateur ou quelqu'un chez votre client qui se déplace et qui est amené à utiliser un portail Wi-Fi public, que ce soit dans un hôtel, dans un café ou un restaurant, bah, comment je gère cet utilisateur à partir du moment où il utilise quelque chose qui est en dehors du contrôle de l'entreprise. Donc, autant de challenges qui sont renforcés, hein, je dirais, par la situation une fois dans laquelle on est aujourd'hui, puisque on a à peu près 4 cinquièmes des utilisateurs, enfin des entreprises qui ont mis des collaborateurs à distance aujourd'hui. Et puis, bah, c'est pendant que les entreprises bah, réfléchissent à de nouveaux moyens à mettre en place pour répondre à ces nouveaux challenges, bah, finalement, les utilisateurs, eux, sont un petit peu la source de tous les problèmes, bah, des fois sans le savoir. Alors, on adresse aujourd'hui un public qui travaille majoritairement dans l'IT. Donc, je dirais qu'on est tous plus ou moins sensibilisés à différents sujets autour de la réception d'un email de quelqu'un qu'on ne connaît pas, des tentatives de phishing, de la bonne hygiène informatique de son poste de travail, du fait d'utiliser un client VPN, de mettre à jour les devices avec lesquels on se connecte. Mais ça, parce que nous, on travaille dans l'IT. Mais quand vous discutez un petit peu avec des amis, des collaborateurs qui, eux, travaillent dans des domaines complètement différents, bah, ils n'ont pas toujours conscience qu'ils peuvent représenter le maillon faible, finalement, d'une infrastructure. Vous avez beau mettre en place toutes les solutions de sécurité que vous voulez, si à la fin, il y a un acte d'un utilisateur qui n'est pas bien formé, qui n'est pas sensibilisé sur les risques, bah, potentiellement, il va aller cliquer sur un email avec un lien qui est potentiellement malveillant. S'il n'est pas obligé d'utiliser son VPN, et bah, il va ne pas l'utiliser parce que pour lui, c'est contraignant, etc., etc. Donc, l'utilisateur aujourd'hui, le barycentre de la sécurité qui était avant essentiellement une sécurité dite périmétrique, je venais défendre le périmètre de mon entreprise, aujourd'hui, tout l'enjeu de la sécurité se trouve autour de l'identité et de l'utilisateur. Les hackers, ce qu'ils veulent faire, c'est absolument venir compromettre un compte, un identifiant, un mot de passe pour se faire passer pour un utilisateur, pour aller récupérer des données et faire de l'exfiltration de données au sein de l'entreprise. Donc des étapes extrêmement importantes et aujourd'hui bah, tous les services IT de toutes les entreprises sont amenés à avoir ce genre de réflexion. D'une, c'est bah, mes utilisateurs se connectent avec tout type de terminaux, quel que soit l'endroit où ils se connectent. Aujourd'hui, je suis connecté de chez moi, demain je peux être connecté depuis le McDo, après-demain je peux être à Lyon, etc. Et puis je peux me connecter avec mon ordinateur, ma tablette, etc. Et ça amène forcément de nouveaux enjeux. Le deuxième point, c'est l'identité de l'utilisateur. C'est un point qui est extrêmement important. Je dois vérifier que c'est bien Marc Guéroux qui veut accéder à une ressource chez Cisco et je dois m'assurer que le device que je vais utiliser, donc le support que je vais utiliser, encore une fois mon ordinateur ou autre, soit quelque chose de confiance. Puisque forcément, si on se connecte à quelque chose avec un device qui est complètement dépassé, ça peut présenter un risque en termes de sécurité. Le troisième point, ce sont les applications. Je vous l'ai dit, avant, les applications étaient sur un serveur, en local. Aujourd'hui, les applications sont dans le cloud. Donc, vous pouvez accéder à tout type d'application directement depuis votre connexion Internet de la maison, sans avoir pour autant à repasser par le réseau de l'entreprise. Et le dernier point, c'est la protection contre les menaces. Ça, je vous en ai parlé un petit peu sur le fait que les menaces sont de plus en plus récurrentes, de plus en plus extrêmement dures à bloquer et touchent tout le monde, encore une fois, que ce soit des PME ou des grandes entreprises. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut mettre à disposition de vos clients pour répondre à ces nouveaux enjeux? Elles sont nombreuses. On a choisi vraiment de focuser aujourd'hui sur cette offre Remote Worker. Donc, le premier point, c'est
vérifier l'identité de l'utilisateur. C'est un point qui est extrêmement important. Et comment on va le faire? On va le faire au travers d'une solution d'authentification multifacteur. Et je vous présenterai tout à l'heure quelle est la solution adaptée à cela. Le deuxième point, c'est de sécuriser l'accès. Donc, nous avons des solutions de type VPN, que je vous présenterai encore une fois tout à l'heure. Et le troisième point, c'est se protéger contre les attaques, quel que soit, encore une fois, l'endroit où on se situe ou quel que soit le terminal avec lequel on vient se connecter. Donc aujourd'hui, nous avons la combinaison de quatre solutions différentes chez Cisco. Alors, bien sûr, ce sont des solutions que vous pouvez mettre en addition d'autres solutions éventuellement concurrentes. On a choisi de vous présenter l'ensemble de la réponse qu'on peut porter, mais c'est quelque chose que vous pouvez adapter aujourd'hui en fonction des partenariats que vous avez avec les différents éditeurs que vous pouvez travailler. Donc, l'objectif, c'est que nos solutions puissent sécuriser les utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils se situent et sur tous les terminaux qu'ils utilisent. Alors, comment on va faire? On a dit que le premier point, c'était de mettre en place des solutions de double authentification. Alors, la double authentification, c'est quelque chose qui existe finalement depuis très très longtemps. C'est un marché qui a été adressé par certains éditeurs il y a plus d'une dizaine d'années. Ce sont des solutions qu'on peut retrouver aussi dans la vie de tous les jours. Alors, pourquoi la notion de double authentification est importante aujourd'hui? C'est encore une fois parce qu'on utilise majoritairement des applications auxquelles on accède en direct et qui sont des applications cloud. À partir du moment où vous accédez à une application cloud, on doit pouvoir venir vérifier l'intégrité de l'utilisateur, c'est-à-dire s'assurer que c'est bien votre collaborateur qui va accéder à son Salesforce ou c'est bien votre comptable qui veut accéder à son application métier. Donc ça, c'est la base même de ce qu'on appelle une approche zéro trust. L'approche zéro trust, c'est une approche dite de zéro confiance. Par défaut, je ne fais pas confiance à mes utilisateurs, je ne fais pas confiance au device avec lequel ils veulent se connecter et je ne leur fais pas confiance à partir du moment où ils sont en dehors du réseau de l'entreprise. Alors, si on fait un petit parallèle avec la vie de tous les jours, la notion de double authentification, vous pouvez la retrouver dans votre quotidien. Par exemple, vous avez certains sites de e-commerce. À partir du moment où vous faites une transaction sur un site internet, vous allez rentrer votre identifiant et votre numéro de carte bleue, donc une composition d'un certain nombre de chiffres. Et ensuite, vous allez valider votre achat. Donc, deux possibilités, soit votre achat est validé tout de suite, soit éventuellement le site marchand vous renvoie sur le portail de votre banque sur lequel vous devez vous identifier et sur lequel vous devez valider l'opération. C'est-à-dire que on s'est tout simplement assuré que c'était bien vous qui avez renseigné l'ensemble des champs de votre carte bancaire sur le site de e-commerce et que vous êtes d'accord pour effectuer cette transaction. Donc ça, c'est dans la vie de tous les jours et c'est quelque chose qu'on peut transposer aujourd'hui dans un environnement dit informatique. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir un deuxième moyen d'authentification de manière à s'assurer que c'est bien mon collaborateur qui veut accéder à mon application. Donc concrètement, comment on va le faire? Alors, on a différents moyens de le faire. Le moyen le plus simple, c'est d'utiliser le téléphone portable. Donc, tout simplement, lorsque moi, je veux me connecter chez Cisco, par exemple, à mon CRM, je vais recevoir un petit push, comme vous pouvez le voir là sur le slide, donc qui vient de la solution Duo que Cisco a acquis il y a maintenant presque 2 ans. Donc, vous recevez un petit push sur votre téléphone. Alors, déjà, premièrement, les téléphones portables ont considérablement évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre téléphone portable, vous pouvez le déverrouiller uniquement s'il a la reconnaissance soit digitale, soit faciale. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que moi, avec mon empreinte ou la reconnaissance de mon visage, qui peut déverrouiller mon téléphone. Et ensuite, vous avez un petit pop-up qui vient s'afficher avec la demande de connexion. Donc, on peut voir quel est l'utilisateur qui veut se connecter, à quel endroit il se situe et vers quelle application il veut se connecter. Donc, éventuellement, si quelqu'un a pris votre identifiant et votre mot de passe et que la requête n'est pas légitime, vous allez pouvoir refuser cette requête et du coup ne pas donner accès à la personne sur le site ou l'application concernée. Mais si c'est bien vous, vous allez tout simplement appuyer sur le petit bouton vert et à partir de ce moment-là, la connexion va pouvoir se faire. Donc, on s'est assuré que c'était bien vous ou bien votre collaborateur ou bien votre client qui veut accéder à son application métier ou à son logiciel de CRM.
Donc, c'est très, très simple à mettre en place. En quelques clics, vous pouvez mettre cette solution en place et déjà, vous venez considérablement renforcer la politique de sécurité autour de l'identité. Je veux vérifier l'identité de mon utilisateur. Alors, ce qui est intéressant avec ces solutions dites de double authentification, c'est qu'on peut aller aussi un petit peu plus loin en termes de sécurité. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, c'est bien de vérifier qu'on est sûr que ce soit bien mon collaborateur qui veut se connecter. Par contre, s'il se connecte avec un device qui est complètement désuet et qui n'est pas géré par l'entreprise, ça peut représenter un risque. Moi, je vous donne un exemple. Mon fils s'est auto-attribué mon iPad. Je peux vous assurer que toute la journée, il passe son temps à télécharger des jeux et à cliquer sur tout ce qu'il peut voir sur Internet. Si demain, je veux me connecter chez Cisco à Salesforce avec mon iPad, je ne suis pas sûr que mon iPad garantisse toutes les garanties de sécurité. Donc, du coup, avec Duo, ce qu'on va pouvoir faire, en complément de cette notion de double authentification, on va pouvoir venir faire du mobile device management et pouvoir vérifier l'intégrité aussi de l'élément avec lequel vous connectez, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur, etc. Donc, on va venir faire un petit check de sécurité et on va donner un petit score qui va te dire, bah voilà, votre device représente 100% de sécurité des critères qu'on a définis. Votre iOS est à jour, votre téléphone n'est pas jailbreaké, etc., etc. Et si je ne représente pas l'ensemble des critères qui ont été définis par l'entreprise, bah, j'ai plusieurs possibilités. Soit je peux décider de dire, je mets un warning à l'utilisateur en disant attention, il faut que tu mettes ton téléphone à jour, etc. Et voici les étapes nécessaires. Mais malgré tout, je te donne accès à l'application. Ou alors, très simplement, je peux dire non, tu ne représentes pas les critères qui sont définis. Tu dois mettre ton device à jour et ensuite tu pourras te connecter à ton application. Donc, cela nous permet de vérifier l'identité de l'utilisateur, de s'assurer que l'utilisateur se connecte avec un device qui répond à un certain nombre de critères de sécurité, et ensuite de mettre en place une politique d'accès qui est différenciée suivant les applications. Je peux effectuer des règles de sécurité granulaires en fonction du niveau de confidentialité de l'application à laquelle je vais accéder. Par exemple, je peux mettre une politique pardon, différente entre un accès au CRM ou un accès au logiciel de note de frais. Ce n'est pas le même niveau de criticité. Donc ça, c'est la solution qui s'appelle Duo et qui permet déjà de venir renforcer de manière très très simple le niveau de sécurité de l'entreprise. Et n'oubliez pas qu'on utilise tous des applications cloud et que ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. On a énormément de demandes autour de ce marché. C'est un marché, encore une fois, qui existait depuis longtemps, mais qui est revenu un petit peu à l'ordre du jour avec l'explosion du cloud, avec l'explosion des accès à Internet direct aux applications. Le deuxième point, on a une solution qui s'appelle AnyConnect. Donc, pour gérer la mobilité sécurisée, donc Duo est plutôt une approche où je vais venir sécuriser quelque part l'application, enfin l'accès à l'application. Donc, sachez qu'on est complètement ouvert sur l'ensemble des applications du marché, que ce soit de l'Office 365, que ce soit du Google, que ce soit du Salesforce et autres, etc. Vous pourrez aller sur notre site internet où vous verrez toutes les applications avec lesquelles on est compatible. Et il y a aussi la possibilité. Alors, c'est une politique d'entreprise hein, qui peut être mise en place et qui est de dire, bah voilà, non, par contre, moi, je ne souhaite pas que mes utilisateurs puissent accéder aux différentes ressources de l'entreprise sans avoir à monter un tunnel VPN. On sait qu'aujourd'hui, monter un tunnel VPN pour des utilisateurs, s'ils peuvent éviter de le monter, ils vont éviter de le monter. Mais il n'empêche que le VPN vous permet de créer un accès sécurisé entre l'utilisateur et les ressources de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, donc la solution s'appelle AnyConnect chez nous, donc elle est complètement compatible bien sûr avec l'ensemble de nos solutions Firewall, que ce soit les solutions ASA ou solutions Firepower, mais AnyConnect peut bien sûr venir s'intégrer avec des solutions tierces. Et ce qui est très intéressant, c'est que la solution Duo dont je vous ai parlé tout à l'heure peut être un complément de sécurité sur l'accès VPN. Ce n'est pas parce que vous montez un tunnel VPN qu'on ne va pas pour autant vérifier l'intégrité de l'utilisateur. Moi, à chaque fois que je monte un tunnel VPN pour me connecter chez Cisco, j'ai besoin de passer par la double authentification qui est Duo pour, une fois encore, s'assurer que c'est bien moi qui veux accéder à la ressource. Donc voilà, double authentification, client VPN, on a mis déjà deux briques de sécurité qui vous permettent d'être un petit peu plus serein. Et je vais passer encore 10 minutes, je vais essayer d'accélérer un petit peu sur deux autres solutions. Une première solution qu'on appelle Cisco Umbrella, une deuxième solution qu'on appelle Cisco AMP pour Advanced Malware Protection. Alors, Cisco Umbrella, c'est quoi?
Cisco Umbrella, en fait, c'est une solution qu'on a rachetée d'une société qui s'appelle OpenDNS, qui était vraiment spécialisée dans la sécurité du DNS. Alors, faire de la sécurité autour du DNS, ça veut dire quoi? En fait, lorsqu'un utilisateur entre une URL dans son navigateur web, le navigateur envoie cette information à un serveur DNS local qui fait matcher l'URL avec l'adresse IP. Donc globalement, si je tape crédit-agricole.fr, je dois aller sur le site crédit-agricole.fr, je ne dois pas être redirigé vers un autre site. En fait, le rôle d'Umbrella, c'est de venir assurer ce rôle de serveur DNS et de vous fournir de la sécurité de manière à empêcher l'utilisateur d'aller vers un site malveillant, vers un site qui peut héberger éventuellement une attaque informatique ou vers un site avec des tentatives de phishing. Pour vous donner un ordre d'idée, la société OpenDNS existait depuis un certain nombre d'années avant que Cisco rachète. Et aujourd'hui, Umbrella analyse à peu près 100 milliards de requêtes web qui sont faites chaque jour. 100 milliards de requêtes web sont analysées chez Cisco quotidiennement. Donc, de par l'acquisition d'OpenDNS, nous avons un grand historique de l'ensemble des noms de domaine, de la catégorisation des noms de domaine. Et donc, du coup, on a une visibilité qui est extrêmement importante sur cette partie-là. Et donc, du coup, on peut garantir à l'utilisateur, en étant au plus proche de la connexion, parce qu'à partir du moment où vous allez taper l'adresse du nom de domaine, on va faire la résolution DNS et on va faire la résolution de sécurité. On ne va pas la faire a posteriori, une fois que vous êtes connecté sur le site web, on va la faire en amont. Donc, on est vraiment ce qu'on appelle la première ligne de défense au niveau de l'accès Internet. Donc, du coup, votre utilisateur, lorsqu'il est à distance, lorsqu'il va, par exemple, déconnecter son client VPN parce qu'il a terminé son travail et qu'il va basculer sur sa messagerie personnelle et qu'il va aller regarder son fil d'actualité sur Facebook ou recevoir ses promotions d'Amazon, etc., etc., Umbrella va venir le protéger dans cette situation. Donc, en termes de télétravail, mais aussi en termes de situation de mobilité, je suis connecté au travers du portail Wi-Fi de l'hôtel dans lequel je réside. Toutes mes connexions Internet vont être protégées par Umbrella de manière à éviter d'être redirigé sur des sites malveillants ou sur des sites de phishing. Donc, pareil, c'est une solution cloud qui est extrêmement simple à mettre en place. Il suffit de changer la résolution DNS par défaut, qui en général est assurée par votre opérateur, et rediriger ça vers Cisco Umbrella et vous bénéficiez de ce niveau de sécurité. La dernière solution dont je voulais vous parler s'appelle AMP pour Advanced Malware Protection. C'est une solution chez Cisco qui se décline un petit peu partout. C'est une solution que l'on a sur nos solutions de firewall, sur nos solutions de proxy, sur nos solutions de protection de passerelles mail, mais aussi sur la partie poste de travail. Donc aujourd'hui, on a une solution sur le poste de travail. Nous, c'est une solution qu'on a adoptée chez Cisco en remplacement de la solution McAfee. Alors vous allez me dire, c'est normal, chez Cisco, on n'utilise que du Cisco. Ben, ce n'est pas toujours vrai. Quand on n'a pas la meilleure solution, ça nous arrive d'utiliser les solutions de la concurrence. Donc le marché du endpoint a un petit peu changé. On est passé d'un marché dit d'antivirus un petit peu traditionnel qui était basé essentiellement sur des signatures. Donc, qui étaient plutôt des solutions, on va dire, réactives, à des solutions qui doivent être beaucoup plus proactives, justement, pour mieux gérer les menaces. Donc, retenez juste qu'on a une solution dite de EDR, Endpoint Detection and Remediation, donc solution de détection et de remédiation pour la partie poste de travail, qui s'appelle AMP pour Endpoint. Donc, voilà, quand on reprend un petit peu la picture, je dirais, du départ, hein, l'objectif, c'est de pouvoir protéger tous mes utilisateurs, quel que soit le moyen qu'ils vont utiliser pour se connecter. Alors, ce qui est intéressant chez Cisco, c'est que les solutions sont complémentaires. Elles travaillent les unes avec les autres, de manière à vous simplifier la vie, de manière à vous donner de la visibilité et rendre l'expérience utilisateur la plus simple possible. Si on fait cela avec cinq solutions différentes, avec cinq consoles de management différentes, ça devient extrêmement compliqué pour les entreprises de devoir gérer tout ça. Donc, les utilisateurs itinérants peuvent bénéficier de la protection Internet avec Cisco Umbrella, mais aussi de pouvoir créer un tunnel sécurisé au travers de notre client VPN AnyConnect. Les solutions AMP et Duo vont fonctionner ensemble. Si votre solution AMP pour Endpoint va détecter qu'un appareil est compromis,
Et ben, du coup, il va transmettre l'information à Duo et Duo va empêcher cet appareil d'aller se connecter à une application. Ce serait complètement grotesque, entre guillemets, de laisser un appareil compromis aller se connecter à une application. Donc, Duo et AMP sont parfaitement complémentaires dans notre politique de défense, dans notre politique de sécurité. Et Umbrella et AMP pour Endpoint le sont eux aussi, puisque Umbrella, je vous l'ai expliqué, c'est la première ligne de défense sur Internet. Donc, Umbrella va agir à partir du moment où l'utilisateur va se connecter sur Internet. Et AMP pour Endpoint, lui, va quelque part avoir le rôle de dernière ligne de défense. Si éventuellement quelque chose est passé au travers des différentes solutions de sécurité que j'ai mises en place, AMP pour Endpoint va venir bloquer éventuellement le fichier malveillant, va venir le bloquer, l'identifier. Et surtout, ce qui est extrêmement important avec les solutions dites d'EDR, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir ce qu'on appelle du file trajectory, c'est-à-dire pouvoir analyser de quelle manière s'est comporté le fichier, quelles sont les machines qui sont atteintes, quel comportement il a eu, quel processus il a utilisé, de manière à pouvoir suivre en fait tout le cheminement de ce fichier et pouvoir, le cas échéant, venir réadapter ma politique de sécurité. Donc l'objectif de la partie endpoint, c'est pas de rester dans le flou, c'est de pouvoir dire voilà le comportement, voilà le protocole utilisé, etc., etc. Et donc, du coup, je peux remonter à ce qu'on appelle le patient zéro. Alors, il me reste quelques minutes pour finir. Il y a une dernière chose dont je voulais vous parler. Ce n'est pas un produit, c'est quelque chose qui est gratuit chez Cisco. Chez Cisco, on a un centre de recherche sur les menaces qui s'appelle Talos, dont, à partir du moment où vous avez une solution Cisco de sécurité, vous bénéficiez de la puissance de notre centre de recherche qui est Talos. Donc Talos, c'est quoi? Ben, c'est à peu près 300 chercheurs qui aujourd'hui font de l'analyse sur le web, sur la manière dont évoluent les menaces, de manière à pouvoir concevoir des produits qui soient les plus efficaces possibles. Donc tout à l'heure, je vous ai donné quelques chiffres sur ce que pouvait gérer Umbrella, par exemple. Sur la partie anti-malware, on gère à peu près 1,5 million d'échantillons uniques de malware chaque jour. Donc, on bloque à peu près 20 milliards de menaces chaque jour, ce qui est un chiffre, qui est énorme. Alors, c'est aujourd'hui, on a la chance chez Cisco d'avoir un centre qui est extrêmement important, sur lequel Cisco investit énormément d'argent, puisque forcément, le marché de la cybersécurité est un marché qui évolue extrêmement vite et sur lequel on doit être le plus réactif possible. Donc voilà, encore une fois, je vous donne quelques données de télémétrie que l'on gère tous les jours dans ce centre de recherche Talos pour que vous puissiez vous rendre compte de cette puissance que représente Talos. Encore une fois, Talos, ce n'est pas un produit, c'est gratuit. Vous avez une solution chez Cisco Sécurité, quelle que soit la solution de Cisco que vous ayez, vous pouvez vous bénéficier quelque part de la visibilité que a Talos à l'échelle mondiale. Donc, l'ensemble des solutions que je vous ai présentées s'intègrent dans une approche globale que l'on a de la sécurité. Et je profite de la minute quasiment qui me reste pour vous parler d'une nouvelle offre qu'on a lancée sur le marché qui s'appelle Secure X. Alors, Secure X, vous allez en entendre parler là dans les semaines à venir. En fait, chez Cisco, on a passé plus d'une quinzaine d'années à constituer notre portfolio de sécurité. On a fait beaucoup d'acquisitions. Cisco, par défaut, fait beaucoup d'acquisitions. Sur le marché de la sécurité, on a racheté plus d'une dizaine de sociétés de manière à construire un portfolio qui soit le plus large possible. Je vous en ai présenté une petite partie, mais on a beaucoup d'autres solutions dans notre portfolio de sécurité. Ce qu'on observe chez les clients, c'est que bah, forcément, plus vous avez un grand nombre de solutions de sécurité, bah, plus vous avez une console différente, qu'elle soit chez Symantec, chez Fortinet et autres, etc., etc. Et ça devient extrêmement compliqué chez les clients pour avoir une vue globale de ce qui se passe sur mon système d'information en termes de sécurité. Alors, Securix, c'est quoi? En quelques mots, c'est une plateforme cloud qui est gratuite. J'insiste, qui est gratuite. Chaque client Cisco qui, encore une fois, a une seule solution Cisco Sécurité peut bénéficier de cette plateforme. C'est une plateforme qui a pour but de venir consolider l'ensemble des événements de sécurité des produits Cisco, mais aussi des produits tiers. Donc, simplicité, j'ai une vue unique sur l'ensemble de mes assets de sécurité. Efficacité, puisque forcément, je vais centraliser un certain nombre d'informations. Et l'objectif derrière, c'est de pouvoir corréler mes différentes
actions de sécurité et de pouvoir les automatiser. On sait qu'il y a un certain nombre de clients qui, par manque de temps, parfois par manque de ressources, ne prennent pas en compte les alertes de sécurité qui sont générées par leurs outils et du coup se retrouvent confrontés à certaines failles. Donc l'objectif avec cette plateforme unifiée, c'est de pouvoir automatiser les tâches et encore une fois simplifier les actions de sécurité. Alors je crois que je suis dans le timing. Je vous ai mis trois liens aujourd'hui que vous pourrez retrouver sur notre site web qui sont relatifs aux solutions que je vous ai présentées. Juste un petit questionnaire. Est-ce que vous souhaitez éventuellement tester des solutions que je vous ai présentées en 30 minutes? C'est un petit peu challenging. Voilà. Est-ce que vous souhaitez bénéficier d'une solution d'évaluation sur une des solutions présentées? Et quelles sont les solutions qui vous paraissent les plus adaptées à votre contexte en tant que partenaire et éventuellement au contexte de sécurité que vous pouvez rencontrer chez les différents clients. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous amenés à faire face à ces challenges de mobilité, d'accès aux applications, d'accès sécurisé, de visibilité sur mon poste de travail et de protection sur les menaces. Je vais m'arrêter ici pour pas mettre la prochaine conférence ou pas vous mettre en retard sur la prochaine conférence. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, même si je peux pas la mesurer puisqu'on est en virtuel. Et puis, en espérant pouvoir vous revoir très prochaine fois physiquement avec toute l'équipe extrêmement compétente et sympathique d'Ingram. Je vous souhaite une très bonne continuation. Prenez soin de vous. Respecter les gestes barrières et au plaisir de rediscuter ensemble autour des solutions de sécurité Cisco. Merci beaucoup, à bientôt. Au Merci revoir. beaucoup Marc. Merci à tous.